Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Metal Gear Solid 5 sur PS4. On attaque en suivant la... Sachant que le titre original est Infomain. Je vois pas le rapport, mais bon, avec le titre français. One of the major subordinates working undercover with the CFA is due to make contact with him. Check his current location on your iDroid. Follow him, and he should lead you right to the major. Ok, et donc la mission 19 fait donc partie des missions buggées avec Quiet, qui ont peut-être été corrigées depuis le temps quand même. Putain, il y a encore des hélicos qui se baladent quoi. D'accord. L'hélicoptère arrête de bouger s'il te plaît. J'aimerais bien le marquer pour savoir où il est en permanence. Ça va pas être possible. Bon, tant pis. Ce robot, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez mal? Il va s'acheter la Xbox One, certainement. Alors attendez, apparemment il y a un problème de live. Je vais écouter le retour de mon côté. On attaque à 100 mètres. J'ai rien repéré dans les environs. Donc on va y aller mollo. Je vois déjà l'hélico qu'on voyait déjà tout à l'heure. Que je ne peux pas marquer, d'accord. Bon, de toute façon, il est automatiquement indiqué, d'accord. Coucou, salut. Alors, on a un ennemi là-haut. Rang combien? B. BBB, ça peut m'intéresser. Putain, il y a du peuple. Du A, ouh, du A. Par contre, c'est blindé de monde. C'est quoi ce délire là? Hop. Ah, attendez. Parce que j'ai lancé la mission sans regarder l'intitulé en fait. Le commandant d'une SMP, connu sous le nom de Major, répand une rumeur sur la vente d'armes nucléaires. Suivez son subordonné et éliminez le Major. Ok. Donc la cible est un black. Dans le véhicule? Non. Pour l'instant, j'ai pas le marqueur qui indique que j'ai trouvé la cible. Mais... Si, c'est bien ça. D'accord, non mais moi je suis à pied les gars. Vous êtes sérieux là? Putain, je me serais fait livrer 10 horses, crotte. Quoi? Ce soit raciste? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Il va tuer les noirs. Non, justement, faut le suivre. Et d'ailleurs, vu que je suis pas à cheval, je vais le perdre complètement. Je l'ai perdu. Surtout qu'on est censé aller à l'est, donc mission de qualité. Hein. Il est où? Mais je le vois même pas. Je viens de placer un marqueur, je le vois pas. Ils sont sérieux là? Marker removed. Marker placed. Bah, marqueur placed. Development. Bah, c'est en face. Je vois pas le marqueur, c'est génial. Ah, d'accord. Je le vois 15 ans après, ok. Mon dieu. Salut Soso, à demain, ok. Bonne nuit à toi. Plante médicinale, on s'en fout. Alors pourquoi c'est marqué deux fois? Y'a que toi qui le vends deux fois. C'est un bug de YouTube. D'ailleurs avec les bugs que j'ai eu, j'ai même pas lancé live en parallèle sur Twitch depuis la PS4. Je voulais tester, voir ce que ça donne, mais bon, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Y'a pas un véhicule là? Attends. Les gens dorment, ok. Y'a pas un véhicule à piquer là? Vous êtes sérieux? Bon bah, courons après une camionnette. Hein. Hop, ça devrait passer. En théorie. Hop hop hop! Je cherche un véhicule. Mais je ne vois rien. Et j'aurais dû me faire livrer 10 horses, putain. Putain, fais chier.
Diors, parce que là ça va pas à pied. C'est une catastrophe. Allez, Diors. Je l'ai mis un petit peu loin parce que le temps qu'il arrive, faut pas loin d'une minute. La mâche 3.0 de la PS4, oui, elle est sortie. J'ai même d'ailleurs créé la communauté Sorator. Qui au final ne sert pas à grand chose, je crois. C'est moins pratique que sur Steam. J'ai l'impression que les gens ne pourront pas me rejoindre directement in-game tant qu'ils sont pas amis avec moi au final. Donc je vois pas trop l'intérêt. Bon. Voilà, le machin il met 20 ans à arriver. Le cheval. Le cheval, c'est génial. Merci. Allez, go. On va quand même y aller mollo. C'est à cause de cette mage que je suis ban. Un abo de Zoso Mariport pour usurpation. Tu crois que c'est ça? Sérieux? Punaise. Bon. Good night. Voilà. Devenu connu. Ouais, donc là je suis à cheval, du coup les ennemis ne sont pas signalés automatiquement. Et donc bien sûr je récupère le cheval au moment où le camion s'arrête. Vive l'intérêt du truc. Bon, on va le faire à l'ancienne. Sans DD. A plus, what? Tu viens avec moi toi, au lieu de fumer ton cigare. Y'a que moi qui fume des cigares ici. Coucou Soso, salut Angel. Hop. Sur Steam, on peut savoir à quoi tu joues. Mais oui, sur PS4, on peut pas. C'est pas sur Twitch, non, parce que j'ai eu des bugs déjà sur YouTube, donc... J'ai eu un peu la flemme de le faire. Oh putain, ils ont pété le ballon. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, hein, de streamer sur deux plateformes en même temps. Bon. Le but, c'est de suivre le Black. Voilà, le mec a du mal à se mettre en couverture. Merci, Snake. Pourquoi tu viens ici, toi? Ouh, j'ai eu peur. Oh. Non, parce que... Asnes et compagnie, c'est sur YouTube. Lui, par contre... Merde. À plein d'avisé. Mais... Le mec... va faire dodo. Voilà. Donc du coup ils ont dû réveiller l'autre. Non, même pas. Quoi? Il y a une rediff, oui, un Metal Gear Solid. Il y a des rediffs en permanence. Bon, alors, ils sont allés voir le mec, mais ils l'ont pas réveillé. C'est d'une logique. Putain, ils sont repartis. My god. Le dada. On y retourne. Quoi, bon sang, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Ils sont où? Normalement ils sont marqués, je les vois plus. Tout droit. Ok. Allez, on se cache. Tac. Alors. Hello, bonjour, bonjour. Un nouvel arrivant. Welcome. Oui, donc les likes que vous voyez là sur le salon, ce sont des likes cumulés. C'est mon salon permanent sur YouTube. Parce que j'ai dû relancer le live. Donc c'est pas ce live en particulier qui vient de recevoir 170 likes. Ne vous enflammez pas. Et d'accord, Acid qui ne bosse pas demain à cause de la pluie. Ok. Enemy presence detected. C'est lui la cible? Il est en train de rencontrer quelqu'un, non? Non, pas du tout. D'accord. Bah oui, on l'a trouvé, on le suit depuis tout à l'heure, mon gars. Bon, je l'avais pas vraiment marqué, mais... Alors, qu'est-ce que je fais? Je contourne? J'assomme les mecs qui l'attendent à... je sais pas. Ou alors je me fais griller pour tout foirer? Il n'y a pas encore le mode online, il sort cette semaine je crois.
Je le testerai prochainement. Quoique, je me demande s'il est pas sorti. Peut-être même aujourd'hui. Mais bon, ouais, je préfère éviter de tester le jour de la sortie de toute façon. Putain, arrête de glisser, toi! C'est rarement au point. Pour le premier jour. Putain, il y a du peuple partout! Oh my god! Putain. Non, qui m'a vu? Tu m'as pas vu. Ta bouche. Merde, je l'ai pas endormi, game over. Non, dors, trop nuc. Non. Non. Putain. Et merde. En même temps, on voit rien, on est... Ah, on pouvait monter, oh putain. Élimine la cible avant qu'elle s'échappe. Oh putain, je sais pas qui est la cible. Les grenades, c'est où, c'est là? Qui est la cible? Déjà, on va péter les véhicules. Ou pas, je vais mourir. Mission fail. Je ne sais pas où est la cible. Oh putain. D'accord, je vais me balancer une grenade dans la tronche. Objectif atteint, ok. Bon, on l'a buté. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais essayer de l'interroger ou de le capturer. Bon, je fais le mort, je suis plus là. Cassez-vous. Mon dieu. Alors, on me demande Star Wars Battlefront. Non, ça ne m'intéresse pas. Oh putain. D'accord, ça pète. Bon, mais là, je suis coincé sur la montagne. Ouh, au secours. Donc, je demande à l'hélico de... Oh putain, d'accord. Putain. Arrête de bouger, comment tu veux que je fasse du headshot si tu bouges, mon gars? Mais... Voilà, merci. Mais... Oh là là. Puis enlève le silencieux, hein. Je vais le gaspiller, ça sert plus à rien. Donc on va regagner des points en faisant des headshots. Si on y arrive... Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Une grenade. Putain. La Quiet, elle aurait été parfaite en fait pour me soutenir. Putain, arrêtez avec vos grenades de merde. Ils veulent m'abattre là, c'est trop luc. Concrètement, je pourrais me barrer, mais bon, faut que je regagne des points, sinon je vais avoir une note en mousse. Et là, comment? Ils peuvent pas savoir où je suis normalement. Regardez, ouais, il sait pas où je suis. Merde. Merde. Voilà. On va faire le ménage. Le mec en B, je pense qu'il est talentueux. Non, j'ai pas regardé. Ah non, il a que du... Ah, il a du A quand même. Il y a un talent. Un talent que je ne connais pas. Ah, tire à la tête. À la tête. Ah, grenade! Putain, prévenez quand vous lancez une grenade là. Putain, faut que j'arrive à l'endormir lui. Je l'ai touché ou pas? Putain, je prends des blessures en boucle. Je sais pas si je le touche. On se rend pas compte avec ce flingue. Oh putain. Non! Te coince pas dans le décor, c'est pas le moment. Mission de qualité. Quoi? Qui m'a tué? Qui m'a tué? La mission de merde. Rien pour se mettre à l'abri, et là je me mets derrière le caillou, je me fais abattre. Quoi? L'autre s'est ouvert le crâne? Qu'est-ce qu'il dit lui? Du coup, attendez, je suis où là? D'accord, on recommence tout, on n'a rien vu. GG. Quoi? Et Angel qui roule toujours en trottinette, ok. Et il s'est ouvert le pied avec un coquillage. Non mais t'es sérieux. D'accord, plutôt par là. Mais pourquoi tu te caches toi?
pas demandé de te cacher. Ça va, Soso? Moi, ça va. J'espère que toi aussi. Je viens de faire du caca, je me suis fait griller et je me suis fait abattre. Au final. Éliminer le Major. Je peux pas essayer de le choper plutôt? Bonsoir, salut, au revoir, à demain. Merci d'être passé, mon cher Jojo. Alors attendez. Cette fois, on va essayer de contourner. Putain, mais ils sont super nombreux en même temps, hein. Comment vous voulez que je l'extraie là? C'est pas possible. Waouh. Bon, le carton. On va sortir le carton kawaii. Voilà. Carton kawaii. Et bien sûr, il y a de la pluie qui arrive. Putain. Au moment où je sors le carton, bien entendu. Qui est la cible dans le lot là, je sais pas. Analysis complete. Putain, ils sont doués les mecs là, DB du A, faut que je les chope. Il s'est tellement mal engagé, c'est n'importe quoi. Je peux pas là. C'est pas possible. Ou alors à la limite, faudrait que j'appelle Didi. Et qu'il fasse des kills. D'accord, merci mon gars. Putain, dès qu'on a plus de 30 mètres, c'est une plaie. Donc là, normalement, je l'ai touché, il va s'endormir. Non, il veut pas s'endormir. Voilà, viens, viens, t'as raison. Je te demande pas mieux. Allez, allez, ramène ton cul. Non, il vient pas, d'accord, le mec a rien compris. De toute façon, la pluie arrive. Oh, on voit déjà les effets de tempête. Et donc Hardcore qui nous dit que ouais, finalement, ça va mieux. Ok. Voilà, toi, Dodo. Putain, ça va alerter tout le monde. Ah! Ou alors j'y vais en mode grenade fumigène. Ultra discret. Voilà, vous voyez rien. Taisez-vous. Eh, mais chope-le! Attends, qu'est-ce qu'ils font là? C'est bon, je les ai. Non, vous me voyez pas. Je suis une étoile de mer sur mon rocher. Oh putain. Vous voyez rien, regardez, il y a un écran de fumée. Putain, mais... Je peux pas les gazer là? Ah, je peux là. Ah. Qui m'a vu? J'ai rien gazé du tout en fait, ok. Le casque. Tabasse-le, merci. Hop. Allez. Bye bye. Bye bye. Je m'en vais. Hop 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 hop. Donc cette fois je l'ai extrait. C'est bon, objectif atteint. Parfait. De toute façon, si vous vraiment la battre, on pourra le faire après. Bon, bonjour les labis. Asnes nous parle de son nez, ok. Quoi? Putain, oh, il part encore de fesses, on va rien dire. Mon dieu. Salut Andrew. Putain, le lien avec D-Dog, pourquoi il a baissé autant? Oh là là. Bon, rang en octopus, ok. J'ai pas chopé énormément de gars, mais bon.
Bah voilà, c'était pas très compliqué au final. Un petit coup de fumigène et... Et c'est dans la poche. The Major spilled his guts, all right. His nuclear arms business was just a rumor he was paid to spread around. He doesn't even know who's paying him. All his instructions came through a cutout. Well, who else would be behind it but Cypher? And this nuclear arms trading is clearly connected to that yellow cake. He thought the same thing, which is why he tried to investigate ZRS himself. He said something else that caught my attention. That ZRS are trying to kill some old man. How did one old man get that kind of attention? Bonne question. Alors, élément d'emblème, ok. Soldat d'élite. A++. A+. A+. Hey. Et du A, c'est bon, on a des gens plutôt doués qui commencent à arriver. Boss, about those walker gears spreading all over Africa. Huey's got an idea for a counter-weapon. Come on back to base. This. It's a variable multi-legged tank. A spin-off of Metal Gear technology. Big fan of spin-offs, isn't he? I hear he borrowed from the Soviets in Costa Rica, too. The design allows for a lot of freedom in setups. It's based around a central core unit, so you can quickly reconfigure the hardware to suit any sort of mission parameters. What the good doctor is trying to say is that it's customizable. Naturally, it will raise the probability of success for standard missions. But it functions as an improved deterrent by increasing your preemptive strike capability against enemy elements. You just deploy it in a war zone, and its superior firepower puts the brakes on enemy attacks. Eventually, the whole war machine grinds to a halt. A true battle gear! Cause I'm having deja vu here. I don't like him any more than you. But we need this. You think it'll cut it in the field? Turning radius is better than any tanks. That's great for regional skirmishes. Tech like this is popping up all among the PFs. Best way to deal with them is to fight fire with fire. I'll await your instructions then, boss. So do we have your approval to commence development? Fine. Consider yourself off the chopping block, Doctor. Alors, le développement du Battle Gear, pardon, a commencé. Ok. Finalement, on va peut-être couper plus tôt. According to the kids, people often disappear from the mine to a place called Nzoyabadiabulo, the Devil's House. On top of that, Saner's involved with the place. Check your iDroid for the mission details. Ok. Bon, on verra ça plus tard. Du coup, la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude. Mais je préfère ne pas prendre de risques. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Salut !